À toutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour les vid la vidéo pardon, pour les énergies du 29, donc aujourd'hui lundi 29 au dimanche 4 août, jour de nouvelle lune et juste le lendemain on aura la rétrogradation de Mercure. Donc là on est entré dans la phase dite pré-rétrograde, donc c'est le moment où on sait l'énergie a shifté, a déjà changé. L'énergie de Mercure, c'est l'énergie la plus rapide, c'est la planète la plus rapide du système solaire. Donc, forcément, on le ressent. Maintenant, on a vu hein, des coupures électriques, euh, des problèmes de fibres. Là, ce matin, je lisais un article euh, qui avait des problèmes de fibres dans certaines... Dans certains départements, mais que ça impacte au niveau national. On ne va pas l'imputer à Mercure Rétrograde. On peut l'imputer aussi au fait que ce soit en ce moment les JO et que peut-être qu'il y a durant ces Jeux Olympiques euh, des raisons extérieures à Mercure Rétrograde. Hein. Le pauvre, il va se dire Non, mais attends, moi je fais juste ma rétrogradation tranquille, laissez-moi tranquille, voilà. Hein, J'ai rien à voir avec ça. Donc ne vous mettez pas bien en tête que puisque Mercure est rétrograde, ça va être une période difficile à passer. Au contraire, vous pourriez même être né en mercure rétrograde, avoir des planètes rétrogrades dans votre thème astral, ce qui fait que durant ces périodes là vous êtes plutôt comme un poisson dans l'eau. Hein. Euh, au niveau donc de la rétrogradation, euh, il y aura quelque chose aussi avec la dynamique de la nouvelle lune en Lion hein, qui aura lieu dimanche 4 et là en ce moment la lune est en taureau, une volonté d'aplanir les choses pour Instaurer de nouvelles bases ou en tout cas des bases plus solides pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire et surtout être soi-même. Je vous rappelle que euh, dans mes lectures, par exemple, j'ai toujours ce focus de où est le nœud nord, c'est-à-dire la direction qu'on veut prendre et ce qu'on est en train de couper derrière soi, les casseroles qu'on a, qu'on se traîne. Et justement, cette année, hein, depuis juillet 2023, là, on vient de passer l'année la, avec un nœud nord en bélier, un nœud sud en balance, donc le soi, le jeu. Et le nous, donc voilà, il peut y avoir des dynamiques interpersonnelles, euh, des dynamiques même professionnelles qui sont... Euh, mise à l'ordre du jour, c'est-à-dire j'aplanis tout, hein, je dis mes quatre vérités aussi, on peut être dans cette dynamique-là de dire les choses, euh, d'exposer au grand jour son soi profond parce que ça y est, on a dû travailler tout ce qu'il y avait eu à travailler avant. Donc, vous voyez, et, euh, euh, les remises en question qu'il y a en ce moment peuvent s'expliquer aussi par les nœuds lunaires hein, qui nous font travailler, qui nous font aller dans une certaine direction. Voilà pour l'introduction, elle était... Euh, et eh bien voilà, elle était nécessaire. Et la carte qui sort aujourd'hui, donc pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, c'est l'amour de soi qui va être mis en lumière. Donc c'est parfait, je viens d'en parler. Je ne vais pas donc reparler de ce que je viens de dire, puisque c'est le résumé parfait de l'introduction du moment. Et ici, qu'est-ce qu'on a Et eh bah ben, Lyon, <laughs> voilà, je veux. <laughs> en dos de deck, qu'est-ce qu'on a On a Bélier, je suis. Donc oui, c'est le je suis qui est bien mis à l'ordre du jour. Et Lyon, ici, voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite, voilà euh, quelle est ma part créative. Euh, le lion, c'est la personnalité. Là, on a deux signes de feu quand même. Donc il y a euh, effectivement ce côté volontariat, ce côté volontaire, ce côté motivation qui est très fort, hein, que je ressens très très fort. Et il y a surtout ce côté... Euh... Alors, euh... je dirais aussi... Le côté pas froid aux yeux. Voilà, je, je vais voir ce qui ressort avec les, les cartes, mais j'ai vraiment cette, cette image de je n'ai plus à avoir froid aux yeux. Alors, pourquoi On va voir ce que le tarot nous dit avec un Rider Waite que je vais utiliser. Alors, pour cette semaine, sur quoi je roule là Ok, bon, c'est bon. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a Les amoureux. En d'autres decks, on a le monde, l'équivalent du monde, l'achèvement, la fin de cycle et aussi la dernière pièce du puzzle, c'est-à-dire voilà, il y a eu une compréhension. On a fait le tour du cadran, hein, ça représente les douze maisons astrologiques, ça va représenter aussi euh, les douze euh, mois de l'année, hein, tout, tout est en douze, donc trois fois quatre, voilà, trois euh, signes par saison, quatre saisons dans l'année, etc., etc. Et là, les amoureux nous parlent d'un choix décisif. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel domaine, hein, euh, puisque là, on a deux lames majeures. Donc, de toute façon, il s'agit du soi et du nous, justement. Euh, le jeu en miroir. Euh, et je parle du jeu. J-E. Voilà. Ça peut être aussi le jeu euh, avec le J-E-U. D'accord Donc, on va voir. On va voir. Cavalier de bâton. Ensuite. 8 de bâton. Ça va aller vite. Ça va aller vite. De toute façon, dès qu'on a le signe du feu hein, et l'amour de soi, ben voilà, deux de, de coupe avec le jugement. Alors là, on pourrait dire qu'il s'agit euh, de sentimental. Et ça peut être aussi un nouveau contrat. Ça peut être en fait, voilà, c'est le côté vocation, le côté euh, guidé, le côté euh, destiné le côté je suis fait pour, donc ça peut être pour un métier, pour euh, une carrière, pour une personne, il euh, y a cette réalisation d'une appartenance à une famille, je dirais une famille d'âme, mais aussi, euh, voilà, vous pourriez être euh, signe taureau et vous sentir bâtisseur, apporter quelque chose à cette, euh, euh, comment dire, à l'humanité, par exemple. Alors, le jugement. Il ouais, y a eu beaucoup de... Beaucoup d'impulsivité avec le set de bâton derrière. On a aussi avec ce cavalier de bâtons euh, le côté volontariat hein, dont je parlais. Mais il y a aussi la passion. Il y a aussi euh, le fait de vouloir bouger, de vouloir que les choses soient rapides. Et attention à ça parce que, euh, on, on va voir ce que les cartes nous disent après, mais. Voilà, l'intensité, le voyage, on sait qu'on repart, on réarme, on réenclenche. Voyez, il y a vraiment ce côté, aller c'est reparti pour un tour. Donc ça peut être cette, cette sensation, juste une sensation. Ça ne veut pas dire dans votre vie, il se passera des choses mirobolantes là cette semaine. Ça veut juste dire que pour l'instant, vous, re, vous ressentez l'énergie comme étant euh, plus dynamique, plus volontaire. Maintenant, pour certains d'entre vous. Il va y avoir des déplacements qui vont être euh, euh, assez significatifs pour le reste de votre vie. Ça peut se passer cette semaine. Ça peut être, par exemple, voilà, vous partez en vacances avec vos copines, avec vos copains, et vous rencontrez euh, Miguel euh, sur la plage d'Ibiza qui va, euh, en fait, s'avérer être l'amour de votre vie. Pourquoi pas Pourquoi pas D'accord Vous ne mettez pas bien en tête qu'un amour de vacances ne reste que pour les vacances. Ça peut être justement la rencontre qui se passe parce que les circonstances ont Été réunis et que c'est toujours le bon endroit et le bon moment. De toute façon, voilà, les guides, l'univers vous s'arrangera toujours pour vous placer là où vous devez être, même si ça peut paraître désagréable des fois. Hein je parle de vécu, donc voilà. Et à la finale, deux semaines plus tard, on se dit Ah ouais, alors euh, je, genre, je me révoltais il y a deux semaines parce que j'avais l'impression que ça n'allait pas du tout, et en fait, bah, c'était pile poil ce qu'il fallait pour que d'autres choses se passent. Ok. Les amoureux, pour moi, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, euh, on va voir ce que les oracles disent, hein, mais euh, ouais, il va y avoir des réconciliations. Il va y avoir des réconciliations. Alors, pourquoi pas, euh, le cavalier de bâton va parler de réconciliation sur le plumard, mais c'est possible aussi. Alors, maintenant, il faudra rendre ça pérenne, et ça, c'est une autre paire de manches, ok Mais effectivement, il y a ce côté amour de soi, lion, très. Euh, c'est Louis XIV, hein, c'est vraiment je me montre, euh, il y a de la séduction derrière le lion, il y a ce côté, euh, euh, je, je, je cherche un signe de lion emblématique. Alors Jennifer Lopez, oui, je crois qu'elle est lion, il me semble qu'elle est lion. Hein. Euh, je, je verrai il y en a d'autres que j'ai en tête mais je ne suis pas sûre de leur signe mais il y a vraiment ce côté euh, je me montre en fait euh, après Gillo elle est bling bling hein, là, ce côté clinquant ce côté euh, euh, <laughs> ce côté euh, Jenny from the block qui est pas en fait non hein, elle n'est pas du tout voilà elle aime ce qui brille mais il euh, y a ce côté brillance il y a ce côté je me montre il y a ce côté séduisant hein, Vénus on a passé aussi euh, dans le mois de juillet une Vénus qui était en Lion euh, qui était euh, un Petit peu, euh, je dirais euh, libéré, voyez cette, cet aspect euh, sexualité. Cet aspect, euh, j'ai envie de m'habiller bien, j'ai envie de, de bronzer, j'ai envie de voilà. Ça, c'est euh, marqué aussi. Donc, cette semaine, euh, alors là, on a la lune, d'accord, les vies antérieures, un hein, roi de denier. Il ouais, y, y a ce côté « je veux récolter ». Voilà, j'ai travaillé pour et l'amour de soi, maintenant, me permet, m'autorise, je m'autorise à briller. Derrière le « je veux », il y a « je m'autorise » et il y a de l'audace. Avec ce cavalier de bâton, il y a énormément d'audace aussi. C'est-à-dire, je peux aller où je veux, finalement. Et ça, c'est on va dire, l'état d'esprit qui va vous aider à réaliser que vous avez passé un cap. Alors, ces vies antérieures, pour moi... Il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont été challengées, pardon, et qui ont dépassé le, le côté euh, dans une vie antérieure. J'entends cloître, j'entends euh, vœu de célibat, vœu de pauvreté, vœu de chasteté. Voilà, trois vœux. Qui ont été dépassés. Alors, vous n'avez peut-être pas le, le, le tiercé, hein, euh, vous n'avez peut-être pas payé pour le tiercé, mais pour moi, il y a effectivement ce côté fluidité, ce côté abondance, ce côté maintenant, je récolte le travail de patience que j'ai dû faire. Vous euh, voyez, le clérica, il est là, hein, avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est. Euh, la, frigid... la... la frigidité, oui, en fait, oui, 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 oui. le lapsus est... est bien, je trouve. Oui, c'est la rigidité, on pourrait... Frigo, frigidaire, je voulais dire les deux, en fait. Donc frigidité, frigo et rigide. Voilà. Donc euh, cette reine d'épée a un aspect cool, c'est l'observation. La froideur, en fait, c'est-à-dire l'intellect euh, qui n'est pas euh, interrompu par les sentiments. Okay. La reine d'épée, elle observe, elle jauge, elle juge, elle estime, elle évalue, elle tranche. Donc elle peut paraître froide, elle peut avoir un discours de RH1. Donc euh, merci, euh, bisous. Non, c'est pas dans son langage. Elle va dire, euh, voilà, euh, sauf erreur de ma part, euh, il manque la pierre de dans l'email, cordialement, voilà, ça c'est une reine d'épée. Maintenant, j'ai l'impression que il a fallu en passer par là, cette espèce de rigidité pour... Observer sans être transporté par les sentiments, parce que là derrière on a quoi Regardez, on a le 6 de denier qui nous parle de réciprocité, qui nous parle je, de je donne, je reçois. Voilà. Et si je donne trop, je reçois rien. Et si je donne rien, je reçois rien. Donc il a fallu être écarté. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été dans la vague de la mise sous cloche dont j'ai parlé il y a quelques temps, mise sous cloche de 2020 puis la nouvelle mise Sous-Cloche en 2023 avec un Saturne rétrograde qui nous a obligés à ralentir, à observer, à comprendre les leçons et les distractions ont été comme... Euh... Vous savez, un jour je vous, je vous ai dit, alors vous, vous avez peut-être été sur ma chaîne après ce, après ce, ce que j'ai dit, donc je vais le répéter, et pardon pour celles et ceux qui l'ont déjà entendu, mais j'avais dit des fois il faut ça parce que l'autre personne en face peut-être une distraction qu'on paiera très cher plus tard. C'est-à-dire que c'est cool hein, d'être avec l'être qu'on aime, etc. Mais quand, par exemple, il y a du travail d'âme à faire, l'écartement, le fait d'être mis en distance, d'être séparé de la personne, et c'est ce que j'explique dans le guide du silence radio, est finalement un cadeau, une bénédiction, puisque pour avoir une vie commune, euh, une histoire qui fonctionne, un lien... Qui reste, qui reste propre, il faut soi-même s'occuper de ses propres bagages. C'est un peu l'adage balaye devant sa porte, en fait. Balayer devant sa porte plutôt. Donc là, on a le soleil. 6 de denier. Pour moi, il y a effectivement quelque chose d'assez conséquent. Parce que si c'est rien, si c'est juste euh, Jérémie de 5e B qui nous a rien appris, euh, on va dire on n'a pas de leçon spirituelle à recevoir il n'y a pas de shadow work qui s'enclenche derrière. Eh bien, Jérémy n'est pas significatif, on ne peut pas appeler ça un lien. Je dis Jérémy, euh, euh, vous transposez à Carole, Caroline, euh, voilà, si vous, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est juste pour signifier que certaines histoires ne sont pas significatives, parce que derrière, il n'y a pas de shadow work qui s'enclenche. Le shadow work qui ne peut s'enclencher que si le cœur a élu que c'était important pour notre évolution. Si une personne n'est pas importante pour notre évolution, on la zappe en deux secondes, enfin en deux secondes, en deux mois en deux semaines mais une véritable histoire d'amour on peut, Le temps peut arranger les choses, le temps peut faire en sorte qu'on se, voilà, qu'on s'accommode avec la douleur qu'on ressent, mais on n'oublie pas la personne. Hein. Donc, voilà. Si ça peut répondre, parce que des fois, les gens me disent bon oui, mais je ne sais pas si euh, elle est significative, je ne sais pas pourquoi je bug dessus. Non, non, mais il n'y a rien à savoir. Tu bugs dessus parce que tu es supposé buguer dessus, puisque tu es supposé t'arrêter un moment et comprendre ce qu'elle est venue t'enseigner, ça ne veut pas dire que c'est l'amour de ta vie, dans le sens, vous allez construire un partenariat de, euh, concret dans, dans la matière, mais ça veut juste dire qu'elle est venue remplir un contrat pour que tu puisses passer à la suite, voilà, et que tu te délestes de ce dont on doit se délester, finalement. Donc la reine d'épée a eu cette fonction très froide, d'observatrice euh, détachée, J'entends détachement derrière, en fait. Parce que la rigidité, la frigidité aussi, elle peut être salutaire dans le sens où elle va, ne, elle va nous permettre d'avoir le recul qu'il faut. Quand on a la tête dans le guidon, on est en plein dans la relation, on a des cœurs dans les yeux et on a des étoiles et des papillons, on n'est pas rationnel. Et là, l'idée... Je pense que ce qui est aussi euh, derrière ce que j'entends avec ce six de denier, c'est ok, maintenant on va rééquilibrer entre rationnel et il y a un équilibre à trouver. Les amoureux, c'est ça, c'est cet échange énergétique entre deux personnes. Quand on aime, euh, on dit, hein, on est aveugle. Et là, c'est ce côté ok, j'y vois clair, j'ai pris le recul nécessaire et désormais, je vais faire différemment. Donc, effectivement, je ne vais plus être... Euh, euh, souillé par mes anciennes blessures, euh, l'hémorragie est stoppée, c'est ce que j'entends aussi, hein, l'hémorragie est stoppée, donc maintenant ça peut repartir sur de nouvelles bases, hein, pour les histoires qui ont été interrompues et les liens qui continuent malgré le fait que vous ne soyez pas ensemble à l'heure actuelle. Justement, on va... Euh, lequel je vais prendre j'ai la sens... On me dit soit stratégique. Enfin, j'entends soit stratégique. Ok, je vais être stratégique. Je vais reprendre un et on fait un petit tour. Ok. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a Le fou renversé. 8 de bâton. Ouais, il y a. Y a hmm... 8 de bâton, 8 de bâton ici. Hein. Ok, donc, je vais continuer sur ce cavalier de bâton. C'est quoi le conseil <laughs> le chariot, excellent. C'est la même. Le, le cavalier de bâton, je l'ai toujours vu comme un, un mini chariot. Voilà. On a la lame majeure de la lame mineure. vous Voyez. Euh, donc oui, on a effectivement quelque chose qui va vite. Une direction à prendre ou cette conscientisation qu'on peut aller où on veut, on peut se permettre ce qu'on veut. Qu'on a désormais les outils euh, aussi. Il y a une peur d'inconstance. Il y a une peur ici de. Que ça est trop vite justement mais ce qui va vous aider c'est de réaliser que vous êtes outillé. voilà ça c'est un message pour celles et ceux qui se demanderaient oui vous avez les outils pour ok très bien 8 de bâton et hey, 6 de bâton et impératrice pareil je m'arrête hein, parce que c'est trop intéressant j'adore ce qui se passe ça, dans mes cartes alors le message pour certains certaines d'entre vous euh, il est que vous avez réussi à dépasser quelque chose. Vous êtes en train de le faire en tout cas. Ça peut se passer de l'autre côté. Hein. Vous avez un lien miroir avec quelqu'un, ça se passe de l'autre côté dans ces cas-là. Et vous, on vous dit, tout ce que tu as à faire dans la vie, là, cette semaine, c'est de briller. Tu fais quoi dans la vie Je brille. Voilà. Et tu fais quoi sinon dans la vie Je brille, brille. <laughs> non mais tu fais quoi dans la vie ben, Je brille, brille, brille. Voilà, parce que... L'impératrice, elle nous dit, là vous êtes fécond, là vous êtes euh, féconde, hein, mais pas dans le sens fertile, euh, je vais mettre au monde un bébé, c'est plutôt, vous êtes, il y a une renaissance derrière, une transformation, euh, j'entends hein, avec le 3 de l'impératrice, c'est la transformation, et de, la transformation interne, qui donne désormais quelque chose de fertile, parce que vous incarnez, vous n'êtes plus en train de jouer un rôle, vous vous êtes entraîné, par exemple, je donne toujours le... Cet exemple en guidance privée, enfin, pas toujours d'ailleurs, mais là je vais vous le donner. En fait, je disais, voilà, on peut se déguiser une fois à Halloween. L'occasion rêvée pour se déguiser dans l'année, c'est Halloween. D'accord Donc on va se déguiser en Catwoman, allez, ou en Batman pour les hommes. Néanmoins, le lendemain, on est de nouveau nous-mêmes, hein on n'est pas Sharon Stone, on n'est pas. Euh, voilà. Mais, si toute l'année, donc là, on se déguise une fois. Super, on reste euh, génie de la compta qui s'est déguisé Halloween en Catwoman. Mais le lendemain, si on continue à porter le costume, ça va plus être un déguisement. Ça va commencer à être un... Comment dire On va commencer à s'habituer et à habituer les autres à nous voir comme ça. Puis ensuite, quand on se lèchera la patte en disant Miaou, voilà, là on incarnera Catwoman. On va peut-être avoir une félinité beaucoup plus euh, manifeste dans nos gestuels, dans notre façon de parler. On le voit d'ailleurs, Michel Pfeiffer, pour moi, euh, je, je clôt la parenthèse très vite, mais pour moi, incarne la meilleure euh, manière de montrer cette transformation hein, de Catwoman au cinéma. Parce qu'il y a eu Zoé Kravitz, il y a eu euh, Anna qui ont aussi un et euh, Ali Berry. Hein, dans le film de Pitof qui a incarné Catwoman, mais la meilleure transformation de Selina Kyle en Catwoman, c'était pour moi Michelle Pfeiffer à mes yeux, à mes yeux, parce qu'on voit que elle passe d'une femme négligée, euh, transparente, à, à quelqu'un de très lion, hein, très félin, très euh, je plisse les yeux. Elle devient le prédateur, alors que tout le monde. Autour d'elle était hostile au début, quand elle est Céline Kyle. Voilà. Et là, il y a ce côté je brille, il y a ce côté je me montre, il y a ce côté elle devient aussi un monstre dans le sens euh, vilaine, hein, vilaine fille. Mais dans le côté monstre, il y a le mot monstrare qui veut dire se montrer. Quelqu'un qu'on voit. D'accord Donc, pour qu'on soit montré, il faut avoir euh, ce côté euh, visible. Voilà, c'est juste parce que j'ai fait... Euh, C'était dans mes études. Hein, j'ai fait euh, des études de lettres, de lettres et dans les, dans les lettres que j'ai étudiées, il y avait aussi l'italien, le latin. Et donc, montrer le monstre au cinéma, le monstre au théâtre, c'est celui qu'on montre. Voilà, donc c'est celui qui est atypique, qui est lui-même et qui ne peut pas cacher sa véritable nature. Donc là... Euh, ce n'est pas un cours que je vous donne, hein, mais c'est vraiment dans ce que je suis guidée à vous dire, parce que je vois les commentaires qui vont arriver de eh « ben on n'avait pas besoin d'un cours », ça on l'a déjà sorti. Non, non, ça s'appelle de la canalisation intuitive et je ressens le besoin de vous transmettre ça parce que ça vous donne une clé en tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. Je referme la parenthèse, donc cette impératrice, c'est l'incarnation même de qui on est, hein on se montre, on brille, tu fais quoi dans la vie Je brille, je suis dans l'amour de moi-même, voilà. Qu'est-ce que je veux maintenant C'est ça la question, parce que derrière les amoureux et le fou renversé, il y a cette question de maintenant je décide comment je veux vivre ma vie, ok Donc dans la relation, parce que là on arrive au deux de coupe, le deux de coupe c'est un mini amoureux, d'accord c'est un échange énergétique avec une personne. C'est aussi euh, ce côté partage. Et ce que je vais transmettre qui je suis intrinsèquement, c'est-à-dire comment on me voit. Là, on a un 6 d'épée. Très bien. 6 d'épée avec un 7 de coupe. On vous dit que le choix vous incombe, et c'est que du 6, du 6, du 6. Alors, il y a un message derrière le 6 dp et le numéro angélique 666. Et oui, parce que c'est aussi un numéro angélique. Comme un 2 de 2, par exemple. Fais attention à ce que tu penses, parce que ça va très vite arriver. Donc, si vous dites oui, mais la personne de cœur est inconstante, vous la verrez comme ça. C'est ce qu'elle vous montrera. Ok c'est très important ce que je vous dis, en tout cas pour celles et ceux qui avaient besoin d'entendre ce message, arrêtez-vous un instant dans ce que vous faites et écoutez bien, faites attention à vos pensées, d'accord Je sais que ce n'est pas la signification primo hein, du 6 d'épée, mais il y a du 6 derrière, hein, du 6, du 6, du 6. Et dites-vous, ok, derrière la lune, il y a tout un bagage, une expérience une vie antérieure qui parlait. D'accord Et là, vous êtes en train de modifier parce que le 6 va aussi représenter la transition et va représenter en fait ce côté, je suis en pleine transformation, je suis en pleine transition. Donc oui. Oula. Euh, petit rototo, quand c'est comme ça, c'est que ça veut sortir. Le 7 de coupe vous dit tout est possible. Ok, tout est possible. Néanmoins... Il va falloir être vigilante, vigilant, vigilant pardon, sur votre façon de penser les choses. Ce n'est même pas une manière de voir les choses. C'est que si vous imaginez que ce sera comme ça, là il y a un pouvoir manifeste de rapidité. Par exemple, euh, ça m'arrivait plusieurs fois euh, cette semaine. Je me dis ce serait cool de revoir une amie que je n'ai pas vue. C'est quasiment une sorte de cœur hein, que j'ai pas vu depuis trois ans. Et je me dis, je ne sais pas, elle n'a pas l'air d'être partie en vacances, Alors je vais voir s'il n'y euh, a pas moyen de se capter, puisqu'on n'habite pas dans la même euh, on habite dans la même région maintenant, mais euh, on n'habite pas dans le même département. Et elle a une vie de famille, etc., etc., moi j'ai ma vie aussi, donc voilà. Et euh, vendredi, elle me dit, eh hey, dis donc, euh, bah, dimanche, on est dans le coin. Si ça te dit, on se voit. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas sorti de vidéo hier, parce que j'étais tout simplement avec elle euh, en train de profiter du soleil. Et je me suis dit, c'est fou. J'y pense, je pense à elle, et elle fait la démarche de m'écrire. Euh, donc on, on en a discuté, elle me dit, oui, des fois, ça m'arrive aussi, et particulièrement en ce moment. Et elle n'est pas... Euh, hyper... Euh, alors, on est tous hyper connectés, mais elle n'a pas cette conscientisation spirituelle des choses, etc., etc. J'en parlais aussi avec mon compagnon, et il m'a dit, bah, tu sais quoi, j'ai pensé à un truc, pas c'est arrivé. Voilà. C'est-à-dire, deux secondes après, enfin, pas deux secondes après, hein, c'est pas aussi immédiat, mais ça dépend, ça peut prendre des jours, des mois, des semaines, des années, etc., mais des fois, ça peut prendre ça. Ok Donc, attention, parce que ça va être la semaine qui va être aussi assez significative dans vos choix, euh, et quelque part, c'est comme si on vous disait, il n'y a pas d'erreur. Euh... Maintenant, la peur que ce soit un constant, que ce soit irrégulier, que ce soit pas encore là, va faire en sorte que là, vous allez tout de suite le récolter. Donc, oui, tout est possible, mais il va falloir changer d'état d'esprit. Le 6 d'épée parle d'un changement d'état d'esprit. Euh, derrière le chariot, le 6 de bâton, on parle de je mérite. Il y, a, il y a beaucoup de. Il y a énormément de sang. Hein. Je vous dis ça, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a une sirène juste derrière moi. La papesse. Oh là 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 là. Alors là, la papesse plus la lune, vous le savez, vous le sentez, vous n'avez aucune preuve tangible. C'est, euh, comment dire, c'est la médiumnité à l'état pur. Là, c'est vraiment, euh, c'est comme si vous captiez ce qui va se passer, vous le savez. Alors que c'est la foi aussi. Hein. Derrière, il y a beaucoup de religions dans le sens euh, religiosité de la chose. C'est pas être, euh, euh, comment dire, être exprimer sa foi par euh, des pratiques religieuses. Là, c'est plutôt, je suis hyper connecté à l'univers, à Dieu, à la Source, à l'esprit, aux molécules. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est la même chose. Vous pouvez prédire, donc avant de dire. Vous le savez. Alors, tiens, je sais que la personne va m'écrire. Paf, elle vous écrit. Et là, vous dites, ok. <laughs> What the. Uh, ok. Uh. Bon, bah maintenant, va falloir répondre. Et c'est justement là, 5 de bâtons, que ça va être le bordel. Je vous le dis direct. Alors, je vous donne la clé. Attendez, il y a mes cheveux qui viennent de bouger tout seul. Ma mèche, c'est. Ok, ça m'a fait bizarre comme si on me caressait la tête. Euh... Ah, J'en ai des frissons alors qu'il fait très chaud. Ok, 5 de bâton, c'est le bordel. Pourquoi Parce que ce que vous voulez va se produire, mais par contre, va falloir gérer après. Donc là, on vous dit, il y a, eu un, manque, il y a un manque de vision que vous devez tout de suite, je vous le dis, hein, tout de suite réajuster. C'est pas pour vous faire peur. Au contraire. Vous allez vous dire, ah, heureusement qu'on avait une mango sous la main pour nous le dire. OK Alors, ce qui se passe, imaginons, ça fait des mois, des semaines, des jours que vous n'aviez pas de nouvelles, paf, les nouvelles arrivent. Il va falloir tout de suite, déjà vous calmer. La papesse, elle me dit ça. On se calme. Pas de violence, c'est les vacances. OK. La personne, euh, euh, je, je vais prendre l'exemple de. de voilà, de la nouvelle, euh, l'embauche que vous attendiez ou bien les nouvelles de votre personne de cœur. Ça arrive. Vous, avez, euh, vous êtes là euh, avec votre téléphone euh, en mode Ah oh, waouh Ça y est euh, J'ai pas mon téléphone sous, sous la main. Ben, on va prendre, euh, voilà, on va faire comme si ça c'était le téléphone. Et vous êtes là, vous avez la notification là, qui arrive, et vous êtes là, ah oh, waouh euh, ok, je le savais, mais c'est quand même une surprise, d'accord Parce que on, on reste humain, humaine, et on fait de notre mieux. Hein. Voilà, je le savais, ça faisait des mois. Euh, moi, il y a des personnes qui m'ont dit, bah, ce que tu m'as dit en guidance privée est arrivé dès le lendemain. Donc euh, elles sont restées quand même sur le popotin, si je puis dire, même si elles étaient prévenues. Euh, et en fait, c'est pas tant le fait de savoir que ça arrive, c'est une fois que c'est arrivé, comment je me dépatouille de ça. C'est ça en réalité qui est en train de se passer. Parce qu'il va y avoir des dénouements, des déblocages, mais il va falloir aussi gérer, avoir le comment je m'y prends maintenant. Et c'est ça que vous allez devoir canaliser, d'accord C'est ça que vous allez devoir travailler. C'est ce sur quoi on vous fait, en fait, il n'y a pas de, de blocage en réalité. Vous voulez votre réconciliation avec votre autre, vous l'aurez, mais c'est l'après que vous allez devoir gérer. Et si vous n'avez aucune vision de l'après, oui, ça va être le bordel ça pourrait repartir pour... Euh, derrière, regardez, on a quand même le jugement, on a la reine de bâton, et on vous dit cette fois-ci, alors s'il y a des retours cette semaine, ça peut être une véritable occasion de faire différemment. Voilà. Euh, vous recevez des nouvelles de votre personne de cœur. Est-ce que vous allez être en panique Est-ce que la personne que vous voulez incarner se retrouve en panique C'est la question que je pose. Si la réponse, la véritable réponse est oui, Hein, là, il va falloir faire preuve d'honnêteté émotionnelle et intellectuelle. Ok, c'est ce que je vous aide à réaliser en guidance privée, d'accord D'ailleurs, il reste des petits créneaux avant que je parte en vacances. Donc, si vous voulez réserver, c'est maintenant pour maintenant, parce que après, je pars pendant deux semaines. Enfin, je ne suis pas là pendant deux semaines puisque je vais faire d'autres choses. Ok. Bon, la réalité, c'est que vous allez euh, pouvoir gérer. Mais c'est la façon. S'il y a autant de bâtons qui sont sortis, hein, si je compte, on a... Bon, ça c'est, euh, j'allais dire ambidextre. Pas du tout. C'était pas du tout le mot que je voulais dire, mais il y avait ambi. Euh, pas ambivalent. Euh, pas ambigu non plus. Pas en... en... Non, ambi. Non, il y a le, le côté bi. Enfin, euh, le côté euh, masculin plus féminin. Il y a le côté euh, neutralité. Il y a le côté aussi... Euh, euh pas en bisex. Bon, bref, on voilà, c'est les deux. Les deux en même temps. Le fou, énergie masculine. Le chariot, énergie masculine. Énergie masculine, énergie masculine, énergie féminine. Et énergie masculine avec le 5 de bâton. Très bien. Ici, neutre, masculin, masculin, féminin, féminin. D'accord Donc on a ce côté, il va falloir rééquilibrer entre le yin et le yang. Entre ce que je fais et ce que je ressens, c'est d'abord ce que je ressens, ça je voulais expliquer dans l'outil complétude, pourquoi il faut ne pas agir, ne pas réagir, ne être dans l'observation, parce que ça va être ultra important pour pouvoir agir de la bonne manière. En fait, quand on est dans l'impulsivité, qu'on agit sans réfléchir, c'est même pas réfléchir en fait, c'est sans ressentir, c'est là qu'on se plante, c'est là que ça devient le bazar. Et là, on vous dit, vous avez une véritable occasion de faire différemment, c'est-à-dire de pouvoir vous y prendre de façon beaucoup plus observatrice. Hein, la papesse, elle observe, elle est entre les deux, hein. elle est entre l'intériorité et l'extériorité, le yin, le yang, ok la lune, elle est complètement yin, hein. c'est l'énergie féminine par excellence de réceptivité, d'observation, de tout ce qui est caché. Donc là, en fait, on vous dit, prenez le temps, vous recevez des nouvelles de votre tant attendu, ou la nouvelle, euh, voilà, une, une proposition d'emploi, par exemple. Ok, c'est là, je laisse sous les yeux, ça y est. Voilà, j'ai votre écran de, de portable là, vous avez la petite notification, euh, le mail. Voilà, vous allez vous dire Ok, 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 je pose le téléphone. Ouh. Comment je me sens Respirez. C'est le conseil que je vais vous le dire même en titre de vidéo respirez. D'accord C'est là, mais ce n'est pas là. Euh, ou alors, il pour que ça tourne comme vous le souhaitiez, il va falloir prendre le temps, observer, ressentir et vous replacer tout de suite, effectivement, dans ce chariot 6 de bâton, c'est-à-dire, OK, je suis cette personne qui vit la bonne nouvelle. Hein, même si, par exemple, la personne vous dit, est-ce qu'on peut parler et que la conversation va être un petit peu... Euh, OK, dites-vous... J'ai le pouvoir de dire les choses. Hein. Lion, c'est très euh, un lion, enfin un lion. Le signe de zodiaque Lion a pour fonction dans notre humanité, dans notre euh, personnalité, hein, parce que vous avez euh, dans votre roue zodiacale, il y a forcément quelque chose dans la maison du lion ou en lion. Sinon, ça n'est pas aspecté. Ça veut dire qu'il n'y a aucune planète. Voilà, et que dans votre photo astrale, c'est-à-dire votre thème de naissance, vous avez peut-être aussi l'aspect du lion à travailler. Dans le sens, euh, c'est vrai que je suis transparente. Quand je parle, euh, on ne m'écoute pas. Voilà, alors que euh, j'ai beaucoup de choses en balance. J'ai beaucoup de choses, par exemple, en verso. Mais en face, il n'y a rien dans mon thème astral dans la maison du lion, dans la maison 5. Voilà. Donc ça peut être, ah, ça peut être pardon, assez intéressant. Parce que justement, là on vous dit, avec le chariot et la papesse, on a deux fois la même idée. C'est le juste milieu entre le yin et le yang, entre l'invisible et le visible, entre le tangible et l'intangible. C'est pareil quasiment, mais il y a aussi ce côté je perçois, alors que l'extérieur peut me montrer tout l'inverse. Donc c'est cette posture finalement de calme, c'est-à-dire, de ok, c'est peut-être pas encore concrétisé, mais moi je le sais. Voilà. Si vous faites, euh, <coughs> je vais faire, euh, c'est le prochain thème de, de, pour les abonnés euh, Patreon, les contributeurs devrais-je dire, puisque c'est un abonnement payant. Hein, vous ne voyez pas le contenu si euh, vous restez dans le côté euh, gratuit. Il euh, y, y a en fait quelque chose que je voulais aborder, c'était le côté entre ce que je ressens et ce que je fais, est-ce que je suis dans le vrai Voilà, il y a ce côté action inspirée. Tiens, je vais là alors qu'on m'avait préconisé d'aller là-bas. Non, non, non. Ça peut être inspiré. Voilà, donc je vais faire une vidéo explicative avec euh, des conseils aussi, avec euh, des exercices que vous pourrez appliquer. Et euh, surtout, bah, comment détecter si c'est euh, calculé ou inspiré. D'accord Mais il y a ce côté inspiration dans la respiration aussi. Hein Inspirer. Prendre le temps de laisser venir, d'observer, de jauger, décimer, mais de, de prendre le temps de voir alors que ce n'est pas visible. Il y a un gros, gros message derrière la papesse. Ok. Alors, euh, petit tour d'horizon. Je veux couper. Alors, euh, ces cartes sont déjà ressorties, c'est fou. Mais là, on a. Euh, une sensation j'ai peur d'avoir la tête qui tourne et de m'évanouir euh, j'ai peur d'avoir euh, euh, de me planter voilà ce que je veux c'est bâtir ce que je veux c'est quelque chose qui ne s'étiole pas euh, qui ne s'effrite pas qui ne se casse pas la gueule j'ai trop donné euh, voyez il y a ça aussi j'ai travaillé pour et je veux que le résultat soit à la mesure à la hauteur de, des efforts que j'ai faits. Hein, que ce soit une relation, un métier, euh, une, un travail sur soi. Voilà. Par exemple, vous avez travaillé sur vous depuis euh, X temps, peu importe le nombre de, de, de mois que ça a pris, le nombre de semaines, le nombre d'années. Et là, paf, vous rencontrez quelqu'un. Pour les, Par exemple, je vais prendre l'exemple là des célibataires, sans personnes en vue. Vous dites, voilà, moi j'ai, voilà, effectivement, j'ai une, une relation, une histoire qui m'a marquée, euh, qui a enclenché ce travail sur moi-même de blessures, de vie antérieure, de que sais-je, de contrats karmiques, etc., etc. Et là, paf, vous êtes célibataire sans personne en vue, et ça y est, cette semaine, vous avez quelqu'un en vue. Vous rencontrez le truc. Et bah panique sur le Titanic, mais c'est normal. Vous allez vous dire, waouh, 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 cinq de bâton, hein? C'est-à-dire, je sais que, ça y est, il y a une sensation avec la papesse, vous le ressentez, que cette personne est significative, mais il y a aussi le revers de la médaille, on va dire, l'autre pendant, la phase cachée de la lune, <laughs> entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a le côté, ouais, mais je ne veux pas me planter comme avant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à comment vous pensez. D'accord C'est là qu'on va voir où vous en êtes. Hein, que l'univers va peut-être vous tester pour voir si, dans votre psyché, votre manière de penser, la bascule a été faite. Si vous dites Ouais, mais j'ai peur que ça fasse comme avant vous avez encore du travail à faire. Je préfère être honnête avec vous, moi euh, il voilà. y, y a une personne qui m'avait dit, Mango, tu es une réflexologue de l'âme, tu là où ça fait mal. Oui, parce qu'en guidance privée, je vous lâche dans la nature, mais avec des outils, des clés, des exercices, des vidéos, des références de livres. Euh, le but, ce n'est pas que vous reveniez que vous ayez besoin de moi. Le but, c'est de vous rendre autonome. Hein, c'est ça la ligne de mire que moi j'ai et que je, de, je donne à mon articulation de guidance. C'est pas de vous guider dans le sens vous avez besoin de moi en tant que guide Michelin à m'avoir sous la main tout, toutes les cinq minutes. Non, le but c'est de vous rendre autonome, que vous puissiez décrypter vous votre propre GPS et le 6DP vous dit, il, vous, il va falloir penser. Euh, pff, voilà, si vous dites, hé, hey, j'ai travaillé pour je suis en train de récolter ce pourquoi j'ai travaillé, roi de deniers, Parce que j'ai fait tout ce travail de euh, bilan derrière, 7 de deniers, Un bilan froid, un bilan dur, un bilan euh, euh, finalement très chirurgical, hein, reine d'épée. J'ai pris le temps d'observer mes blessures. J'ai pris le temps de faire en sorte que... Et je, je, je le ferai encore parce que euh, pour certaines personnes, le travail n'est pas terminé. Hein, ce ce, ce travail-là n'est pas terminé. Néanmoins, je ne peux pas me planter comme avant puisque je suis déjà en train de faire ce travail pour incarner cette impératrice hein, qu'on a vue derrière le 6 de bâton. Il y avait l'impératrice. Donc non, ça ne sera pas un feu de paille. Maintenant, je vais prendre le temps d'observer, de bâtir, de construire, de cadrer. Aussi, hein. pareil pour les personnes, euh, là j'entends, il euh, y, y a des personnes dont le, la réconciliation se fera cette semaine, mais vous allez faire différemment. Voilà, vous allez faire différemment, vous allez, euh, je vous donne un exemple, alors c'est tout bête, hein, mais euh, voyez, je me suis euh, pété l'ongle à la racine. Mais alors à la racine, c'est-à-dire que l'ongle était sanglant, voilà, il s'est cassé en deux. Euh, J'étais en train de nettoyer, ranger ma voiture. Je la, je la, je la frottais hein, à l'intérieur, mousse et tout. Hein. Ah ouais, ouais. Euh, j'y suis pas allée de main morte. Et en fait, je me suis pété l'ongle. Je me suis dit, ok, ça vient d'arriver, la cassure-là. Ok. Qu'est-ce que je fais Je remonte à la maison. Euh, je me soigne. Je m'emmaillote euh, et tout ça. Et je me dis, bah, au lieu de continuer, de redescendre pour finir ce que tu étais en train de faire, tu vas t'arrêter. C'est ce stop-là qu'on vous a fait faire. Ok, tu vas t'arrêter. Tu vas te limer les ongles. Donc, je me suis limée euh, les ongles courts. J'ai fait hein, une autre manucure. Celle-là, je l'ai laissée tranquille. Elle est encore l'ancienne. Hein. On voit bien que la cuticule, euh, elle aurait besoin d'une petite... Euh, voilà, d'un petit glow-up. Mais je me suis dit, au lieu de persister à nettoyer la voiture avec les ongles longs, parce que les autres, tu vas, tu vas potentiellement te les, te les casser aussi. Tu les limes, voilà, tu prends ce temps de pause. Et le lendemain, parce qu'après euh, je me suis dit, oh bah, c'est trop bien de s'occuper de soi, euh, bah, je vais me faire les ongles de pied finalement, puis ensuite je vais me tailler un peu les cheveux là. Voilà, je vais me couper les pointes, les fourches. Et j'y suis retournée que le lendemain à nettoyer ma voiture. Forte de cette nouvelle euh, <laughs> mes quatre doigts, euh, voilà. Hein, et euh, finalement. Euh, c'est un peu l'arrêt que vous avez dû subir. Vous l'avez subi parce que vous disiez hey, mais c'est pas ce que je voulais", d'accord Mais pour les couples, pour les liens qui ont été malmenés, il y a un message aussi, c'est de prendre le temps d'observer. Parce que ce que vous voulez va peut-être arriver. Il ne faudra pas croire que ça va être ça y est, sur des roulettes, sur des rails, tout de suite. Il va falloir prendre le temps d'observer, parce que le but, c'est pas que ça reparte comme c'était avant. Sinon. Comme c'était avant, ça va se casser la figure. Et ça aussi, hein, je le dis dans le guide, le guide du silence radio. Hein, j'ai canalisé un guide pour vous, j'ai écrit euh, des choses parce que justement, c'est la période où vous pouvez changer les choses et faire la différence. Donc cette période-là, je vous apprends à l'aimer plutôt que de la subir. Vous voyez, ce guide a été fait pour les personnes qui subissent un silence radio. Parce que moi, j'ai pu le subir et l'infliger aussi quand c'était nécessaire de casser une dynamique. D'accord donc le but, c'est de réarmer dans le bon sens cette fois-ci. Pour que si la relation reprenne, hein, ce n'est pas garanti qu'elle reprenne ou qu'elle reprenne tout de suite, et ben vous soyez outillé pour. Alors, ici, vous dites au revoir à certaines pratiques, euh, certaines personnes aussi, certaines choses. Euh, tout ce qui était fixe et qui ne vous sert plus, vous lui dites au revoir cette semaine. C'est le message que j'ai regardé. Lion qui est tombé, hein, la carte du lion qui est tombé, je vais la mettre là entre les deux. Parce que vous travaillez à maintenant ne plus vous laisser bouffer par les autres, ou vous comparer aux autres et vous mettre dans un état de jalousie ou d'insécurité. Là, vous brillez. Voilà le message. Et... Euh... Ouais, regardez. Là, en synthèse, on vous dit... Il a fallu en passer par là. Je, je garde le dos de deck, hein, d'accord Il est là, ok je, je ne bouge pas, ok C'est un veuvage de soi, finalement. J'entends je, je, je vous dire ça. Enfin, je ressens de vous dire ça. C'est un veuvage de soi que vous êtes en train de faire. Alors, observez bien cette carte. Elle se retrouve en synthèse, d'accord On vous dit que vous avez le choix. Soit ce sera la finalité, soit ce sera juste une étape sur votre parcours. On vous dit aussi euh, que cette partie de vous n'existe plus et qu'il va falloir sou euh, soulever, enfin relever la tête plutôt, et d'observer. Parce que quand une nouvelle histoire arrivera, que ce soit avec votre personne de cœur, ou une nouvelle personne de cœur, hein. ça peut être une ancienne personne de cœur, mais qui sera quand même nouvelle, parce que vous donnerez une nouvelle impulsion, il faudra vraiment, vraiment, vraiment faire différemment. Voilà l'enjeu ultime, c'est d'avancer ensemble avec une personne qui choisira, c'est les amoureux et le deux de coupe, qui fera le choix constant de se choisir avec vous, de choisir son bout de chemin avec vous une vie tout entière avec vous. Et vous, avec cette personne. D'accord Ça va dans les deux sens. Hein. On parle de réciprocité et de dépasser, avec le signe du Sagittaire ici, encore un signe de feu, de dépasser les challenges, d'avoir ce regard, parce que le signe du Sagittaire, il va vous apporter finalement ce regard. Au-delà du problème, on va aller chercher la solution. Hein, si on est là pour se rendre des comptes et se tirer dans les pattes, on vous dira que vous resterez dans la même boucle répétitive. Et là, on vous dit, non, vous allez transcender ce qui s'est passé, la situation actuelle, hein, le cassage de figure, euh, les blessures du passé. Ok, pour les couples où tout va bien, c'est ailleurs que ça se passe. Ça peut être au niveau du travail. Hein, on vous dit, voilà, non, tu n'as pas peur de perdre ton travail, tu as peur de te perdre toi, et de perdre ce pourquoi tu sens que tu es né. Donc il y a une question d'Ikigai derrière le 6 des le, pff, les amoureux, pardon, et le 2 de coupe, il y a cette question de comment j'ai envie de me sentir qui je suis. Hein C'est le propre même de l'amour de soi. Ben, on a fait le tour. Euh, je vais prendre quelques oracles maintenant pour voir un petit peu les messages, mais je pense qu'en substance, l'analyse est terminée, l'essentiel a été dit. Hein Donc euh, tout ça, je le rangerai en off. Après tout, pourquoi pas <laughs> Je ne vais pas le faire maintenant. Euh, on a la nouvelle lune en Lyon qui arrive, hein, donc pas de hasard, hein, que des coïncidences, que des rendez-vous avec nos cartes. Trimestre en cours, ralentissement, c'est ce qu'on vous a fait faire pour ralentir. On vous a obligé à ralentir pour instaurer une nouvelle dynamique. Ah, la réussite. Ok. Non Alors, libération d'un blocage. Hein. Ok. Combat, c'est le côté motivation, signe de feu, le volontariat, hein. ouais, le volontariat de dégommer aussi euh, les mensonges, les complaisances qu'on se fait à soi-même, euh, le discours interne, hein. euh, le cisse d'épée, les amoureux, euh, avec le six de bâton euh, nous dit, et le chariot, euh, nous dit, il est temps de, de parler. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, euh, c'est plus un déguisement. Quand c'est, on habitue les autres. Je vous ai dit ça. On habitue les autres à se montrer réellement, mais les personnes vont s'adapter, d'accord. Donc attention aux personnes qui euh, vous maintiennent dans un rôle. Elles ne sont pas forcément maléfiques. Elles ne sont juste pas encore habituées à la nouvelle vous que vous êtes, à la nouvelle version de vous, pardon. D'accord. Ex-partenaire qui est sorti. Oh L'être aimé en d'autres decks. Alors, ça peut parler du passé, parce que si vous dites, ouais, moi mon ex, eh non, non, vous le faites encore vivre, et moi je ne veux pas lire ça en commentaire parce que je reçois ce genre d'énergie, de frustration, de colère, alors que finalement vous êtes contente, content euh, d'avoir euh, vu ma vidéo. Donc moi je reçois quand même beaucoup de négativité. Et dans ces cas-là, vous savez ce que je fais Soit je supprime le commentaire. Soit ça se retourne de toute façon contre vous, donc attention parce qu'il s'agit de vous avec vous-même, même quand vous laissez un commentaire sur vos chaînes YouTube favorites. Ok Donc là, c'est plutôt ex-partenaire qui vous montre quelque chose qui va servir à vous aimer mieux et donc à manifester l'amour véritable. Hein que ce soit elle qui change, en fait elle ne change pas, elle va s'habituer. À ce que vous lui montrez donc bon gré malgré vous hein, euh, voilà tristesse amour durable oui il y ya vraiment ce côté c'est avec elle et pour l'instant on a peut-être été séparés ou elle ne s'est pas encore manifestée donc pour certaines personnes votre ex est venu vous montrer en fait non c'est pas votre ex cette personne est enfin il y a une personne qui est arrivée dans votre vie pour vous challenger pour vous montrer Là où vous deviez travailler, ok, votre discours interne, euh, la place que vous laissez aux autres. Et euh, vous êtes triste parce que ça n'a pas fonctionné avec elle, mais en réalité, ça a fonctionné avec elle. Et elle est venue vous montrer ce que vous deviez dépasser, transcender. Hein, derrière le simple de bâton, il y a la transcendance euh, d'une blessure. Il y a aussi ce côté, vous euh, voyez, jugement, renaissance. C'est-à-dire une nouvelle naissance, mais on va pas... Euh, ce pas pour... Euh, repartir dans la même direction, hein, c'est-à-dire euh, un déraillement. Euh, ça va être pour cette fois-ci rouler avec quelqu'un. Ah, regardez derrière, bah oui, de façon durable. Là, il y, y a aussi euh, l'univers qui veut réunir les bonnes personnes avec les bonnes personnes. Donc tout ce qui était fake. Ok euh, je l'ai dit à une personne et je vous le, je vous le dis au collectif, si ça n'était pas la bonne personne, elle ne serait pas revenue dans ta vie. C'est-à-dire que tous les liens qui ont été euh, cassés l'année dernière, s'il n'y a pas eu de retour depuis, alors il y a peut-être effectivement le côté juste, euh, c'était karmique, la personne est venue vous montrer quelque chose et euh, elle vous a fait travailler, elle a déclenché ce travail pour vous aider. Pour que vous rencontriez l'amour véritable qui n'est pas cette personne, qui n'est pas elle. Ça, là, vous, vous, je ne peux pas vous le dire en collectif. Je peux, je peux pas être. C'est une guidance générale. Là, ce sera en guidance privée que je vous dirai euh, quel était son rôle à elle. Qu'est-ce qu'elle est venue vous faire travailler Alors, besoin de reconnexion, admiration perdue, de retrouver l'admiration de soi et de l'autre. Relation houleuse. Ouais, c'est ce que vous transcendez. La rupture a servi au self-centrage. D'accord À se recentrer sur soi. Ça, je le dis pareil dans le guide du silence radio. Si vous voulez vraiment vous épargner une séance privée ou vous n'avez pas le budget, vous avez forcément le budget pour le guide du silence radio. Justement, hein, j'ai fait en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Guérison des traumas. Donc, la rupture. Et le self-centrage, ça a été justement la manière de transcender un pacte d'âme et euh, pacte d'âme collectif. Hein. Les hommes qui sont obligés d'être à la hauteur, les femmes qui ferment leur euh, bouche, je vais le dire comme ça, nos grands-mères ont pris sur elles et ont fermé leur bouche, nos mères ont fini par parler, hein, par s'émanciper euh, du côté euh, je prends sur moi et je ferme ma tronche, et nous, on est dans une génération... Où on a le, le bagage de tout ça. Alors par exemple, si vous êtes né entre 1970 et 1990, vous êtes encore dans la charnière. Pour les personnes nées après 90, même après 2000, allez, on va dire 30 ans, d'accord Donc 70-2000, on est dans cette charnière de femmes émancipées, mais pas encore totalement. Euh, voilà, on a encore les dans, les, dans nos cellules, ce truc-là, et nos petites sœurs qui sont nées en 2000, post-2000, d'accord Entre 2000 et 2024, ont cette liberté d'être. Même si, euh, voilà, par exemple, si j'avais une petite sœur qui est née après moi, moi je suis née en 86, ok Donc, Je suis née dans les années 80, je suis un bébé, un baby des 80s, ok Mais si j'avais une petite sœur qui était née après, l'année 2000, même si on a la même mère, on n'aurait pas du tout la même manière de faire, la même incarnation, la même... Euh, voilà. Donc on est dans cette euh, transition-là où la femme s'émancipe, l'homme accepte aussi sa partie féminine, pendant que la féminine, elle accepte aussi sa partie masculine, mais que trop de parties masculine chez la féminine donnent euh, euh, un côté, euh, bah, je tombe sur des hommes. Euh, ou des femmes euh, qui euh, finalement, euh, j'en viens à perdre l'admiration que j'ai pour mon, ma partenaire hein, en face de moi, hein, vous transposez à votre euh, orientation sexuelle, à votre sexualité, à votre manière d'être, à votre identité, hein. moi je veux juste que vous vous sentiez tous et toutes, toutes écriture inclusive, je veux que vous vous sentiez inclus, incluses, ou euh, au pluriel, si vous vous sentez au pluriel. D'accord, maintenant que c'est dit, l'admiration perdue et ce besoin de reconnexion, c'était je me retrouve, donc la rupture euh, avec une personne a servi à ce que je puisse me retrouver, que je puisse aussi rééquilibrer ma part, c'est le centrage, le centre c'est entre le féminin et le masculin donc l'admiration perdue c'est aussi voilà, quand on est ultra yang en tant que femme ou ultra yin en tant qu'homme en fait, on va être passif, et donc on va être passif agressif dans le sens où on veut rééquilibrer la balance sauf que imaginons je vous donne l'exemple typique une femme qui a pris les devants euh, je prends la dynamique femme-homme d'accord une femme qui a pris les devants on se voit euh, ça te dit un deuxième rencard moi j'ai adoré etc donc elle envoie un message ok l'homme va se dire ok elle est volontaire elle, elle prend les devants j'adore ah, elle veut payer aussi d'accord très bien équité égalité euh, parité Très bien. Mais au bout d'un moment, cette dynamique s'installe et euh, la personne, donc la féminine, va toujours être dans le yang et va obliger, enfin obliger, enfin, de manière euh, vibratoire. Elle oblige l'autre à rester dans son yin, c'est-à-dire de ne plus prendre les initiatives, euh, de rester passif. Donc ça donne quoi Un couple. Chéri, je t'avais dit de changer les ampoules. Chéri, euh, on ne sort jamais, on ne fait jamais rien, tu restes dans le canapé, tu joues à FIFA, tu regardes le foot, que sais-je. Voilà, je suis frustrée, mes besoins ne sont pas comblés, alors que c'est besoin, le besoin pardon, de reconnexion, c'est-à-dire, c'est pas de plus communiquer, c'est en réalité de rebasculer dans une dynamique où l'un et l'autre sont volontaires, l'un et l'autre sont... Euh, dans leur euh, équilibre yin-yang. D'accord Donc c'est pour ça qu'on s'en fout de féminine, masculine, on va parler plutôt de yin et de yang, euh, c'est-à-dire quelqu'un de trop passif. Hein. Le yin, c'est euh, l'écoute, c'est vraiment du calme, du repos, c'est un peu euh, euh, l'énergie du paresseux, c'est-à-dire je prends mon temps, c'est le slow, live j'écoute, je ressens, je lis, je jardine, je fais du yoga, je fais de la méditation. Donc c'est une certaine corde hein, vibratoire qui va être très ralentie. Hein, quand je prends le temps d'écouter ce que je ressens, je ne suis pas en train de parler, de réfléchir, voilà, c'est ça le yin. Le yang, il faut vraiment euh, comprendre cette dynamique pour se dire aussi, bah oui, si l'autre ne fait plus rien et qu'elle commence à, à se rebeller, c'est parce qu'elle veut regagner en yang, elle veut regagner en... En énergie de volontariat, de je prends des décisions, pour une fois tu m'écoutes, voilà. Des fois, je vous le dis en guidance privée, attention à l'écoute active. Quand on interrompt quelqu'un, on est en train de prendre le dessus sur elle, la personne se sent rabaissée, sans même s'en rendre compte. Elle va dire, attends, laisse-moi finir. C'est une façon de dire, je veux aller jusqu'au bout de ma démarche, de t'expliquer ce que je ressens, parce que j'ai pris j'ai pris sur moi trop longtemps. Vous voyez, dans la relation houleuse, il y a ça, il y a ce côté. Euh, euh, je veux pouvoir m'exprimer jusqu'au bout et me sentir écoutée. Voilà, ce à quoi ça a servi. Maintenant, en synthèse, dans la finalité, l'évidence. Bon, ben bah, voilà. Maintenant, lorsque vous réglez aussi derrière vous, ça peut être une, un modèle que vous avez reçu de vos parents, le flashback du schéma parental, ça peut être la lune et la papesse. Pour que ça puisse durer, on est en train aussi euh, de forger une nouvelle dynamique dans les relations en hein, 2024 pour qu'un amour soit durable. Qu'est-ce qu'il faudrait comme ingrédient Pour qu'un amour soit durable et que ça ne vire pas à ce que j'ai pu constater euh, chez ma grand-mère, chez... Euh, voilà. Hein, les mariages forcés. Ça existe encore en 2024. C'est déplorable, mais ça existe encore. Ou bien, euh, euh, qu'est-ce qui fait marcher une relation Qu'est-ce que je dois euh, faire comme compromis hein euh, Qui je suis au bout de 40 ans de mariage Parce que le frein, c'est aussi le moteur. Euh, pff, je ne parle pas de mécanique, hein, messieurs, dames, ne vous, inquié... ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de parler de mécanique, je suis en train de parler d'énergie. C'est-à-dire que... La transcendance là de la zone de confort, c'est aussi votre zone de peur. C'est-à-dire, bah ouais, mais me lancer dans 40 ans de vie commune au secours si dans votre schéma parental, vous avez vu des gens passer leur temps à s'engueuler. Vous allez vous dire, bah ouais, mais moi ce que je veux me fait peur. Donc il y a eu un blocage quelque part. Et bah, vous êtes en train de le régler. Alors... Euh... Ok, je vais prendre deux, trois petits messages ici. L'essentiel a été dit. Hein. Le pardon. Bon, ben bah, euh, voilà. <laughs> Le pardon, euh... ça peut être compliqué quand il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qui ont été dites. Euh, le pardon ne peut pas intervenir quand vous ressentez encore de la colère et cette colère, elle est là pour établir des limites. Elle est là pour dire j'ai été bafoué ou je me suis bafoué. Donc le pardon, c'est aussi de se dire ok je ressens de la colère parce que j'ai été bafoué et pour pardonner, me pardonner, pardonner à cette personne, il faut que je libère aussi hein, tout ce que j'ai sur le cœur. Donc quitte à ce que ça donne une discussion un peu houleuse, d'accord Ça ne veut pas dire que la relation est houleuse. Ça veut juste dire que vous êtes en train d'établir des bases et regardez communication d'autres deck Alors quelle carte est sortie Attendez parce que là c'est technique. Ah, L'harmonie. Ça fait pas de vous une mauvaise personne ou de reproduire un schéma parent, enfin, un schéma de relation houleuse. C'est plutôt il faut que j'apprenne à exprimer mes besoins, à exprimer mes un cadre, un cadre de respect et l'harmonie et dans la communication, voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver très vite pour pouvoir réharmoniser. Et là, c'est collectif. Hein. Je vous le dis, c'est collectif. Donc, vous transposez par contre à votre situation et là, vous en êtes aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que il y a un message derrière. Euh, je pose de nouvelles bases pour construire quelque chose vous ne pouvez pas vous forcer à pardonner. Votre colère, si elle est là, c'est qu'elle a des choses à dire. Elle a des choses à. Euh, c'est un peu comme bah, l'amour de soi. Hein. Donc le respect. Euh, mes sentiments ont été bafoués. Euh, mais mon écoute, j'ai pas ressenti de l'écoute de ta part. Voyez, au lieu de dire tu m'écoutes jamais, je n'ai pas ressenti d'écoute. Lorsque nous parlons, je ressens que clé de communication très importante, vous la connaissez, le tutu, hein, sur le tutu, chapeau pointu, avoir tort tu, mais l'idée de balancer à l'autre, ouais mais tu m'as dit ça, tu as fait ça, ça ne vous mènera à rien. Vous, vous dites à l'autre, je te mitraille en fait, je t'impose, te, je te, je euh, alors que si vous dites, ok, tu sais, euh, quand j'entends ça, je ressens ça. La personne va se mettre à votre place tout simplement parce que quand vous parlez, elle visualise. Ok, ça fait comme un, un avion là au-dessus des plages qui passe avec euh, des publicités comme ça, les avions publicitaires avec des banderoles. Et moi, dans ma tête, quand quelqu'un me dit voilà ce que je ressens, en fait, je visualise que c'est moi qui le ressens, donc je me mets à sa place. C'est ce qu'on appelle en fait l'empathie. Sauf que dans des discussions comme ça, on ne peut pas être empathique totalement parce qu'on veut euh, dire à l'autre ce qu'on ressent mais en lui faisant sentir que c'est de sa faute. Le tu tu. D'accord Donc le processus de guérison, c'est tout simplement une décision aussi. Je décide de transcender, hein, mais euh, pour retrouver l'harmonie et le besoin de reconnexion, il va falloir que je communique aussi ce que je ressens de façon très... Euh, ouais, J'ai envie de dire très reine d'épée. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux. Euh, voilà ce que je vous voyez amour de soi et je veux qu'est-ce que je veux je veux une relation harmonieuse comment c'est une relation harmonieuse Parce que si vous voulez une relation harmonieuse mais que vous utilisez certaines clés de langage du style ouais mais tu m'as dit que tu fais jamais rien tu me saoules j'en ai marre la personne ce qu'elle entendra c'est je ne suis pas à la hauteur donc rupture alors que si vous dites tu sais dans une relation ce que j'ai toujours visualisé d'être dans une relation, c'est une personne, un véritable une véritable partenaire. Et la personne va entendre véritable partenaire, et elle aura beaucoup plus d'inclination. Elle sera plus encline à écouter dans ces cas-là. Et eh bien, je vais en sauver les couples. <laughs> non, je ne pas. Avoir... Mais je, je pense que c'est voilà. Je, je prends le temps de vous. Ok, bah, âme sœur, hein, bah oui, début, nouveau début, hein, si vous connaissiez déjà, clé, espoir, signe, plaisir, communication, rapidité. Oui, ça va se passer très vite. Hein. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont. Après un moment de lenteur, et bien bah, si on était, vous voyez, lenteur, prendre son temps, mais aussi après un temps où euh, ça a été au ralenti, mais alors, euh, jusqu'à se dire, mais mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Là, donc, la lenteur, elle, elle a deux significations à la fois, prenez votre temps, et après tout ce temps de ralentissement, ça y est, les choses sont enfin enclenchées, parce que vous êtes, vous êtes ready, voilà. Euh, et bien, on va en rester là, je pense, euh, ah, je vais prendre Joe, tiens, ça faisait longtemps, Joe no, de notre ami Soul Shadow Tarot, un Yéna euh, de son nom, non, je rigole, je connais son vrai nom, mais voilà, son nom sur Youtube, c'est Yéna, donc je vous conseille d'aller voir la chaîne aussi, hein, si vous ne connaissez pas, je, sois fan de toi, amour de soi, Lyon, moi je le suis, alors fonce et n'y pense plus et fais-toi kiffer. Fais. Voilà, bon, bah, ça parlera à qui de droit. Euh, on va prendre aussi un message de votre personne de cœur euh, ou euh, quelque chose que vous devez entendre de toute façon, vous pourriez entendre, attendez, hop, 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 elle était déjà renversée. Tu me manques, je n'ose pas, euh, tu me manques beaucoup, pardon, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors pour que cette personne-là le ressente, hein, si vous avez beaucoup de bagages, là par contre il faudra avoir un certain état d'esprit, euh, certaines pratiques, euh, une façon d'être. Voilà que je ne peux que vous transmettre en guidance privée, parce que je ferai un état des lieux privé de là où vous en êtes et de ce qui a coincé dans votre subconscient. Même si vous vous dites, ouais, mais moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, si c'est toujours bloqué, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre subconscient, et ma lecture vous permettra justement d'enjamber de, cet obstacle, de transcender ce, voilà, ce, ce, ce problème, on va dire, et de pouvoir justement... Être cette personne qui va transmettre ça à votre autre et votre autre qui se manifestera. Euh, J'ai reçu par exemple, euh, bah là c'est le téléphone avec lequel je filme, mais vendredi dernier, voilà, il y a une personne qui m'a dit Mango, euh, euh, je te remercie. peut-être que je peux le trouver ici. Coucou mango, après notre séance, beaucoup de choses ont bougé depuis. L'élu de mon cœur a reconnu, etc., etc. Bon, je vais euh, masquer certaines parties parce que c'est euh, finalement euh, un état des lieux privé. Euh, j'ai eu le droit à une belle déclaration d'amour et des prises de conscience de sa part, etc. Je viens d'écouter la guidance. Encore un grand merci. J'attends avec impatience la vidéo de notre échange. C'est une personne qui avait pris la vidéo. Il y en a eu deux comme ça et j'ai demandé d'ailleurs à l'une. Si elle m'avait envoyé ce texto, elle me dit non, ce n'est pas moi qui t'ai écrit, là je t'écris sur Instagram. Donc moi j'ai reçu un texto sur mon téléphone euh, perso. Euh, non, justement, pro. <laughs> mais là je, je peux le lire aussi sur mon téléphone perso. Et euh, les deux m'ont dit la même chose que juste après la séance. Donc ne minimisez pas aussi, hein, la séance, elle est faite pour vous euh, faire prendre des déclics. Hein, C'est ce que je veux aussi dans les vidéos YouTube, mais les vidéos YouTube restent générales. Et les conseils que je vous donne... En guidance youtube reste 10% de ce que je vous donne en guidance privée ou sur patreon gardez bien en tête que c'est beaucoup plus riche quand vous m'avez en ligne directement voilà je vous laisse avec ça je vous aime je vous embrasse passez un bel été on se retrouve bien sûr toutes les semaines pour les guidances de la semaine mais euh, voilà des petites vacances en guidance privée je ne prends pas de créneau entre le 5 août et le 20 août, d'accord Donc vous pourrez prendre après. Hein les réservations sont désormais possibles pour après le 20 août. Voilà. Euh... Quoi d'autre euh... Oui, alors faites attention aussi à ce que vous allez lire sur les réseaux sociaux durant Mercure Rétrograde. Mercure, comme je l'ai dit, hein, a pour fonction de ralentir sur la communication, de prendre le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire que tout euh, sera, euh, euh, comment dire, euh, euh, perturber, les perturbations de trafic, c'est tout le temps, il hein, n'y a pas besoin de mercure rétrograde. Voilà, donc faites attention parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a des choses que vous allez penser qui vont se manifester très vite. Si vous dites, oh là là, euh, durant mercure rétrograde, euh, il va y avoir des ruptures, vous allez être beaucoup plus encline, enclin à manifester, à matérialiser ça dans votre vie. Attention, voilà, c'était juste... Euh, ce que je ressentais le besoin de, de, de vous dire et de terminer là-dessus pour vraiment vous soyez euh, dans cette semaine très vigilante, vigilant. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve la semaine prochaine, enfin dès euh, samedi on va dire, ou dimanche, pour la vidéo de la Nouvelle Lune, compilée à la vidéo de la semaine d'après. A bientôt les amis. Ciao ciao